Jeanne Ponté, bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la porte-parole de MeTooIP. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre démarche et comment est née cette initiative? MeTooIP est une plateforme qui recueille les témoignages de personnes qui ont été victimes de harcèlement sexuel au Parlement européen. C'est tout à fait ça, Amandine. MeTooIP est née d'un constat, c'est celui de femmes qui travaillent en politique, donc de femmes. On pense souvent aux femmes élues en politique et on pense peut-être parfois un petit peu moins aux petites mains qui travaillent en politique et qui peuvent parfois être victimes de harcèlement psychologique ou sexuel. Donc, quand je suis arrivée au Parlement européen en juillet 2014, je me suis rendue compte en travaillant sur des sujets industriels que j'allais souvent être la seule femme dans ces réunions. Et j'ai vite vu qu'il y avait une différence de traitement entre mon collègue homme avec le même niveau hiérarchique que moi et moi dans des réunions de travail. Et donc ce constat de double peine, entre guillemets, être jeune et être femme et travailler en politique, m'a fait me dire je ne peux pas m'habituer à ce type de violence au travail et ça ne doit pas être acceptable parce que souvent, en politique notamment, c'est le milieu que je connais le mieux, on a cette résignation où ces personnes nous disent « c'est normal, les hommes et les femmes politiques agissent comme ça, tu ne réussiras pas à modifier ces comportements ». Et je crois qu'en acceptant cela, on se résigne et donc on perpétue aussi ces comportements. Donc pour moi, une manière de réagir, ça a été d'écrire dans un petit carnet tous les actes du sexisme ordinaire au harcèlement sexuel, aux agressions sexuelles. Et ce petit carnet que j'avais toujours sur moi, entre juillet 2014 et octobre 2017, j'ai eu plus de 80 témoignages donc de mes collègues qui connaissaient l'existence de ce carnet, toutes couleurs politiques différentes, tout âge évidemment, parce qu'on sait que le harcèlement sexuel n'a pas d'âge, n'a pas de couleur politique, n'a pas de nationalité. Donc c'est devenu un peu l'interface, et en tout cas un espace de solidarité aussi pour ces victimes, pour s'exprimer. Et donc MeToo est né de ce petit carnet, de ce mouvement. En octobre 2017, le harcèlement sexuel et le hashtag MeToo a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Et donc on a décidé de créer un collectif de travailleurs en se disant qu'il fallait faire pression sur la structure du Parlement pour qu'elle change ses règles internes. Pourquoi ? Parce que la culture du silence est évidemment bien présente en milieu politique, on en parlait. Et aussi pour inciter à une prise de conscience, une prise de parole, et puis que ces femmes, majoritairement ce sont des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel, ne restent pas seules sans aide. Et donc c'est comme ça que MeTooIP est né, et depuis on a quand même pas mal embêté le Parlement européen depuis octobre 2017, mais on a réussi à changer des choses. C'est une belle initiative. On l'a vu au mois de mai, il y a eu des élections européennes, donc un nouveau Parlement, bientôt la mise en place d'une nouvelle Commission européenne. Quels sont selon vous les dossiers que cette nouvelle Commission et le Parlement devront mettre à l'agenda en matière d'égalité femmes-hommes? Alors là, on le voit en France et c'est bien présent parce que demain, il va y avoir les premiers résultats du Grenelle sur les violences conjugales. Donc à regret, on parle de violences conjugales et pas de violences sexuelles dans leur ensemble. La Commission européenne, les institutions européennes de manière générale devront aussi se pencher sur la question des violences sexuelles. À notre avis, en tout cas, c'est un des enjeux les plus importants, les plus prioritaires et les plus sensibles aussi, parce que le nombre de violences sexuelles, on ne réussit pas encore très bien à le mesurer, parce qu'on n'a pas les registres qui nous permettent de mesurer correctement le nombre de femmes qui ont été victimes ou de filles qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc ça sera une des missions centrales de ces cinq prochaines années. On a un instrument juridique qui est très performant, qui est la Convention d'Istanbul, qui est un instrument du Conseil de l'Europe et pas de l'Union européenne, mais l'Union européenne a ratifié la Convention d'Istanbul. L'objectif étant maintenant d'avoir la même protection selon les États, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant que nous, par exemple, en tant que citoyennes françaises, on soit protégées d'une certaine manière contre des violences sexuelles, mais que, par exemple, nos co-citoyennes, enfin, d'autres ressortissantes européennes ne soient pas protégées de la même manière. Donc ça, c'est une exigence qu'il nous faut accomplir, avoir un même système de protection par le haut pour toutes les femmes en Europe. La deuxième chose qui est essentielle, c'est que la précarité, la pauvreté
chez certaines femmes, encore plus quand ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. C'est quelque chose que l'on doit aussi affronter. C'est pas normal que les textes existent, mais qu'aujourd'hui il y ait toujours 16% d'écart de rémunération à travail égal en Europe. Donc il va falloir des sanctions, il va falloir des mécanismes de transparence sur les fiches de salaire pour prouver les discriminations. Donc ça aussi, c'est un des gros sujets à venir. Donc je dirais, violences sexuelles et violences économiques seront, je pense, les deux grosses thématiques pour ces 5 prochaines années. Donc on le voit, encore beaucoup de défis à relever. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci.